Allez, salut les gars, salut, c'est toujours moi, c'est Hospital, et vous êtes sur la chaîne 2, Monsieur le Russe 225. Voilà, comme d'habitude, je suis là juste pour vous planter une bourse, mais si c'est la première fois que vous voyez ma chaîne YouTube, essayez comme ça de vous abonner, essayez aussi de me donner une pouce bleu, voilà, afin que l'algorithme de YouTube puisse mieux promouvoir ma chaîne. Donc, je suis juste là pour vous planter la bourse. Une bourse qui a été fabriquée, c'est-à-dire à l'université de Montréal, comprenez? Voilà, et cette bourse-là, c'est une bourse d'exemption de. Quand il dit exemption, c'est-à-dire cette bourse-là prend en charge seulement que la scolarité. Voilà, donc c'est une bourse du Canada et ça prend en charge que la scolarité. Dans cette bourse-là, vous n'êtes pas obligé de traduire vos documents. Voilà, parce que c'est Montréal. Donc, pour cette bourse-là, il y aura trois. Comme je vous le disais, il y aura trois étapes et il y aura trois distinctions. Voilà, c'est comme la bourse que j'avais présentée auparavant, la bourse de la Chine. Mais cette bourse-là, c'est pour le Canada, mais il y aura trois distinctions. Les trois distinctions, c'est-à-dire, ils vont essayer d'examiner du dossier qui a une grande qualité jusqu'au dossier qui a une qualité moyenne. Vous comprenez un peu? Voilà, donc il va avoir un beau dossier, voilà, aura une bourse entièrement, c'est-à-dire qu'il va prendre en totalité sa scolarité, et au fur et à mesure que votre dossier a une qualité moyenne, voilà, vous obtenez des bourses partielles, c'est-à-dire à 75% et après 50%. Voilà, donc je voulais aussi rappeler que cette bourse concerne comme ça la licence, le master et le doctorat. Voilà, donc moi je vais toujours me mettre dans la peau d'une personne non, qui vient pour la licence, voilà, parce que c'est la licence hein, qui est le diplôme le plus important. Voilà, donc ici par exemple comme ça, si nous venons là, on dit que le programme a commencé et va suivre pour le trimestre d'hiver 2022 et d'été 2022. Ok, aux étudiants et étudiants internationaux admis à compter de l'automne 2020. Ça, c'est depuis l'automne 2020 qu'ils ont lancé cette procédure-là, qui détiendront un permis d'études, qui ne sont ni résidents permanents ni citoyens canadiens. Ok, donc je vous explique un peu comment ça marche pour cette bourse là. Voilà, vous n'êtes pas obligé de postuler la bourse. Voilà, vous n'avez pas postulé la bourse, seulement vous faites une demande d'admission, et lorsque vous avez cette demande d'admission là, ils vont étudier la qualité de votre dossier et ils vont vous placer soit à la première place, seconde place ou à la troisième place. Comme je vous ai dit, à la première place, c'est une bourse qui prend en totalité la scolarité. Et à la seconde place, c'est 75%. À la troisième place, c'est 50%. Voilà, donc ici, moi, je viens supprimer ici pour voir un peu les éléments dont. Voilà, donc c'est ce qui est là. L'excellence de votre dossier académique est le seul critère d'évaluation pour déterminer la valeur de la bourse. Vous comprenez? Donc, lisez très bien ce qui est là. Ce qui est ici, vous n'êtes pas vraiment obligé de postuler pour une bourse que ce soit, ou faites seulement, vous posez seulement que pour l'admission. Ici, on dit l'excellence de votre bourse, de votre dossier académique est le seul critère d'évaluation pour déterminer la valeur de votre bourse. Cette évaluation est faite en fonction des relevés de notes fournis lors de la demande d'admission. Les résultats de l'analyse sont classés selon trois échelons. Donc, ici, les seuls éléments qui vous classeront parmi les trois types de bourses, c'est vos relevés de notes, voilà, et votre diplôme. Donc, si vous avez un bon relevé, si vous avez une bonne qualité de dossier, voilà, vous serez à l'échelon A, ou bien l'échelon moyen, c'est quoi? C'est B, et l'autre échelon, c'est quoi? C'est C. Donc, c'est vraiment simple, voilà, vous n'êtes pas obligé de postuler à une bourse que ce soit. Les étudiants inscrits dans un programme de certificat majeur, de majeur micro-ondes, tout ça là, ça c'est pas vraiment important. Donc, voici pour le master aussi, qui est là. Voilà, c'est presque identique. Et après ça, voici le programme du troisième cycle qui se trouve ici, pour le doctorat. N'oubliez pas, je ne suis pas obligé de faire pour vous toutes les parties. Une fois que j'ai fait pour une seule partie, ça veut dire que c'est généré pour les autres parties. Voilà, donc c'est ce qui est fait depuis toujours. Donc, comment obtenir cette bourse? Alors,
comment obtenir cette bourse. Voilà, donc vous faites votre dépôt d'admission. Voilà, vous choisissez votre université et tout ça. Vous vérifiez aussi les dates limites. On va vérifier la date limite pour voir ici quand est-ce que ces éléments-là prennent fin, la date limite. Ici, par exemple, pour ceux qui vont pour l'automne, septembre à décembre, ici, premier cycle, doctorat du premier cycle et année préparatoire, doctorat, baccalauréat, les candidats, voici pour le baccalauréat et puis le master. Donc, candidat avec uniquement des dossiers collégiaux au Québec, premier mars, candidat inscrit ou ayant inscrit dans une université, 1er février, candidat avec des débuts au Québec, 1er février, certificat d'éducation permanente, 1er juin, et ici, cycle de cycle supérieur, stadie doctorat, ok, nous, c'est pas ça qui nous intéresse, nous, on vient pour les études pour l'été, été, juin, avril et juin, premier cycle, certificat et module de l'éducation permanente, 1er avril, donc nous sommes là, 1er avril. Donc la date limite top pour pouvoir construire cette bourse-là, c'est quoi? C'est le 1er avril. Et ceux du master doctorat, ceux du master et du doctorat, c'est quoi? C'est le 1er février. Pour cela, si vous venez par exemple pour étudier, c'est-à-dire pour l'été, c'est-à-dire entre avril et juin, voilà. Et ici, ceux qui viennent par exemple comme ça pour l'hiver, entre pour le premier cycle, c'est en 1er novembre, cycle supérieur, 1er septembre. Voilà, donc ici, nous sommes là. Alors, ce que nous allons faire est très simple. Ce qui est sûr, vous voyez, vous regardez ici l'élément qui vous convient et puis vous allez essayer de postuler. Si nous on vient pour le premier cycle, nous on va choisir l'été pour venir étudier en été. Donc, notre date limite, c'est le 1er avril. Voilà, donc ici, ce sont les éléments et ici, là, ce sont les dates limites. Ici, ils ont précisé, bon, ça, c'est automne, septembre à décembre. Ici, c'est septembre à décembre. Donc, certificat d'études permanentes en 1er juin. Certificat cycle supérieur aussi, ça, c'est 1er avril. Donc, ce qui veut dire que, en ce qui concerne le master et doctorat, c'est déjà expiré. Voilà, donc la licence peut postuler. Ok, maintenant, pour pouvoir continuer, nous revenons ici. Suivre son dossier. Une fois que vous avez fait l'admission, vous allez suivre votre dossier et recevoir une offre d'admission. Ils vont vous envoyer une offre d'admission et vous allez accepter l'offre d'admission. Vous comprenez? Et une fois que vous acceptez, vous n'avez aucune demande à effectuer pour solliciter une bourse d'exemption. Vous ne faites rien pour avoir une bourse. Vous acceptez seulement ce qu'on vous a envoyé. Parce que le dossier, tous les dossiers du nouveau candidat et candidate seront évalués pour déterminer leur admissibilité et le montant de leur bourse de sanction. Vous comprenez? Voilà. Donc, ils vont vous envoyer un message et sous le message, vous allez voir qu'ils vous ont déjà évalué vos documents et ils vous ont déjà proposé votre type de bourse. Si vous avez une bourse, vous allez recevoir cela sur la fiche qu'ils vont vous envoyer comme admission. Recevoir l'avis d'octroi indiquant le montant indiqué et le montant accordé. Peu de temps après la réception de votre admission, l'Université de Montréal vous communiquera rapidement par courrier le montant de la bourse auquel vous avez droit. Vous comprenez? Imprimez et conservez ce document précieusement. Il vous sera utile pour les prochaines démarches. Vous comprenez un peu? Voilà, donc c'est ainsi que ça marche. Maintenant, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le plus grand travail ici à faire, c'est quoi? C'est de postuler et chercher à faire une admission et c'est l'admission qui va déterminer un peu ce que vous devez faire. Donc nous, ce qu'on va faire est très simple. On va aller rapidement pour voir chercher une admission dans une faculté que nous voulons. Donc si moi je viens ici, premier cycle, je choisis le bon type de programme. Voilà, je vais sur le programme que je veux. Je choisis le programme et sur ce programme là, je vais comme ça essayer d'avoir une admission pour pouvoir postuler et obtenir une bourse. Donc, baccalauréat de 3 à 4 ans, je vais venir là. Si vous voulez faire le master, vous venez dans le master. Voici ça, majeur, ici. Moi, je fais baccalauréat de 3 à 4 ans, ici. Il existe 3 types de baccalauréat qui comportent 90.
baccalauréat spécialisé, baccalauréat disciplinaire, multidisciplinaire. Donc, ici, premier cycle, 3-4 ans, 4 ans ou 5 ans, ça c'est l'ingénierie. Voilà. Baccalauréat, nous, ça ne nous intéresse pas. On va chercher à voir le programme et puis on va essayer de les postuler. Voilà, donc ici, baccalauréat certificat 30 crédits. Ça ne nous intéresse pas. Voilà, donc ici, on va aller chercher comme ça à postuler. Donc, je viens dans. Alors, donc, une fois que vous êtes là, comme ça, pour avoir une admission, vous venez là, admission, et vous cliquez sur demande d'admission. Donc, vous allez cliquer sur demande d'admission, et par là, vous allez commencer maintenant à faire votre demande d'admission avec les éléments qui sont là. Voilà, donc, ici, comme ça, identité et adresse courriel, vous allez remplir tous les éléments. Voilà, après ça, déclaration. Vous allez faire une déclaration, vous allez faire votre paiement en ligne. Voilà, parce qu'il y a des frais, comme je vous ai dit. Ceux qui ne sont pas prêts à vouloir payer des frais d'admission aux universités, sachez que vous n'allez jamais pouvoir postuler aux bourses, parce que de nos jours, toutes les universités ont presque la même procédure, c'est-à-dire faire une demande d'admission avec des frais d'université. Voilà, donc ça, c'est à vous de voir. Donc, une fois que vous arrivez là, parce que vous allez vérifier tous les éléments qui sont là, vous allez là accéder au formulaire. Voilà. Et ce formulaire-là, vous allez l'utiliser comme ça pour pouvoir vous enregistrer et aussi pouvoir postuler à la bourse. Voilà. Donc, maintenant que le formulaire charge, je vais réactualiser. Voilà. Voici le formulaire. Donc, dans un premier temps, vous allez créer votre compte. Voilà. Ici, vous allez créer votre compte. Et de toute façon, je vais faire une seconde vidéo. Je vais vous montrer un peu comment est-ce que vous devez continuer et comment est-ce que vous allez finir tout ça. Donc, vous allez créer votre compte et à la suite du compte, vous allez maintenant chercher à postuler pour l'admission. Voilà. Vous allez mettre tous vos éléments pour créer le compte et ensuite vous postulez pour l'admission. Donc, à tout à l'heure, les gars. Je vais essayer de vous aider en faisant de même pour que vous puissiez au moins postuler. Salut, salut les gars, voilà, c'est toujours moi, le Sam Hospital, et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo, voilà, mais je vous rappelle en même temps que je fais cette vidéo là pour vraiment ceux qui ont besoin d'une admission pour aller étudier au Royaume-Uni. Voilà, donc ici c'est l'université de Swansea, c'est une bourse, oui, mais sachez que cette bourse là elle est très sélective. Voilà, mais j'ai décidé de faire cette vidéo-là pour ceux qui ont besoin d'une admission pour aller étudier. Parce que, à défaut de ne pas avoir cette bourse-là, vous pouvez avoir une admission et aller y étudier. Parce que c'est deux choses qui sont vraiment différentes. Soit vous avez une admission, soit vous avez une bourse. Vous comprenez? Donc, la première des choses ici à faire, c'est d'avoir d'abord une admission et ensuite chercher à postuler pour la bourse. Alors, si l'université vous dit que vous n'avez pas la bourse et que vous avez une admission, vous pouvez aller y étudier. Voilà, les frais sont pas vraiment trop très énormes. Donc, je pense qu'il y a plusieurs étudiants comme ça qui veulent aller y étudier. Alors, voici l'opportunité pour vous. C'est l'université de Swansea au Royaume-Uni. Donc, ceux qui veulent sont vraiment intéressés parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a vraiment énormément de choses à faire sur cette plateforme-là. Voilà. Mais néanmoins, ceux qui seront vraiment intéressés par ce que je vais vous montrer tout à l'heure, vous pouvez aussi aller voir et puis essayer de me contacter pour qu'on puisse voir dans quelle mesure on pourra vous aider. Voilà, donc n'oubliez pas, ça c'est une bourse qui concerne la rentrée de septembre 2022. Donc c'est-à-dire vous postulez maintenant et une fois que vous avez une admission, vous pouvez leur envoyer votre élément de bourse. Voilà, et ensuite vous allez attendre le résultat. Si vous avez un résultat qui est positif directement, vous allez y étudier sans souci, mais je vous préviens que le billet d'avion est aux frais de l'étudiant. Voilà, donc avant de pouvoir commencer, il y a plusieurs personnes comme ça qui m'envoient des messages à chaque instant pour me demander où se trouve le lien. Quand je dis le lien se trouve dans la description, ça veut dire, ça signifie quoi? Donc aujourd'hui je vais vous montrer un peu d'abord. Donc quand vous venez par exemple sur ma chaîne YouTube ici par exemple,
vous voyez, voilà, il y a plusieurs vidéos, mais vous allez parmi mes vidéos. Quand je vous dis par exemple que il y a une vidéo qui existe et que vous devez aller suivre cette vidéo là, ça par exemple c'est la vidéo que je viens de mettre là, c'est la dernière vidéo que je viens de mettre. Vous cliquez là. Si vous voulez voir toutes mes vidéos, vous cliquez là sur Monsieur le Russe 225. Voilà. Et vous allez venir là dans vidéo. Et dans vidéo, vous allez voir comme ça la liste de toutes les vidéos que j'ai mises en ligne. Voilà. Depuis le début jusqu'à maintenant. Vous voyez. Voilà. Donc, arrivé là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez d'abord venir sur la vidéo qui vous intéresse. Voilà. Parce que à chaque instant, je vous dis que j'ai mis le lien en commentaire ou bien en description. Vous venez là. Je vais prendre cette vidéo par exemple. Vous venez là sur la vidéo qui vous intéresse et vous cliquez sur la vidéo, sur cette vidéo là. Vous allez voir que la vidéo va apparaître automatiquement ici. Et en ce moment là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez maintenant chercher ce qu'on appelle description. Mais allez, salut. Mais avant de chercher ce qu'on appelle description, essayez d'abord de me donner une pouce bleu. Voilà, parce que on s'efforce vraiment à faire de notre mieux pour vous. Malgré le confinement, malgré les sanctions, j'essaie de faire des vidéos. J'essaie de trouver des VPN pour vous faire des vidéos. Donc, vous me donnez d'abord une pouce bleue ici. Et je remercie vraiment ceux, par exemple, comme ça, qui essaient de liker et qui essaient aussi de partager mes vidéos. C'est vraiment très important pour moi. Voilà. Donc, je vous remercie vraiment. Et vous voyez, je suis à 340 vues, mais il y a seulement que 38 likes. Et c'est pas vraiment normal. Mais c'est pas un souci. Alors, donc, une fois que vous arrivez là, vous venez là, quand je vous dis, par exemple, comme ça, dans la description, c'est là pour ceux qui ont les ordinateurs. Et lorsque vous cliquez là, vous allez voir que voici la description qui est là. Maintenant, ceux qui ont les téléphones, il y aura une petite flèche qui va descendre là, qui sera dirigée vers le bas. Une petite flèche dans cette partie-là, qui sera dirigée vers le bas. Vous cliquez là, vous allez voir que cette partie va apparaître. C'est ce qu'on appelle en description. Et voici les commentaires. Voilà, ceux qui sont vraiment intéressés, ils peuvent aussi essayer d'écrire un commentaire, de poser leurs questions, comme de la manière vous voyez là. Vous voyez que je réponds à tout le monde, voilà. Je réponds à tout le monde, donc ça, c'est pas un problème. Pour ceux qui ne veulent pas intégrer mon groupe WhatsApp, c'est pas un problème. Vous pouvez poser vos questions ici, je vais essayer de vous répondre. Voilà, donc, c'est un peu ça. Je voulais un peu vous montrer comment ça se passe et puis comment est-ce que vous devez faire. Maintenant, ceux qui veulent s'abonner à ma chaîne YouTube, voilà, essayez de vous abonner en cliquant là. Et lorsque vous cliquez là, par exemple, essayez de choisir ce qui est là. Ainsi, lorsque je mets une vidéo en ligne, directement vous voyez la vidéo. Si vous prenez ce qui est là, ça, ou bien ce qui est là, ça ne va pas signaler. Vous comprenez, vous êtes abonné, mais vous n'êtes pas au courant des vidéos que je mets en ligne. Donc vous cliquez sur toutes. Quand vous cliquez sur toutes, vous allez voir que à chaque instant que je mets une vidéo en ligne, vous serez averti directement et vous allez pouvoir la suivre. Voilà, donc c'est un peu ça. Et surtout, merci pour ceux qui me donnent de la visibilité. Merci aussi pour ceux qui like mes vidéos. Voilà, c'est vraiment un plaisir. Ok, donc on repart directement sur nos moutons. Donc, comme je disais, ici, par exemple, comme ça, pour ceux qui veulent postuler, c'est vraiment très important. Dans un premier temps, vous devez d'abord avoir une admission. Et lorsque vous finissez d'avoir une admission, il y a un formulaire à remplir pour la bourse. Et puis, voilà, vous le renvoyez tranquillement pour participer à cette bourse. Donc nous, on va essayer comme ça de postuler un peu. Ici, si on vient là, on nous dit comment s'inscrire. Donc on dit un guide étape par étape de façon de soumettre votre candidature et ce qui se passe ensuite. Donc ici, postuler pour les étudiants internationaux, vous pouvez cliquer là. Vous pouvez aller aussi sur cette partie là, directive d'application. Voilà. Et ou bien vous pouvez aller aussi ici, coûts et frais et tout ça. Donc ici, si vous cliquez là, par exemple, ça concerne la licence, le master et le doctorat. Donc ça sera à vous maintenant de voir dans quelle faculté ou bien pour quel niveau vous voulez postuler. Donc ici, vous voyez là, ici on dit une fois que vous avez lu les conseils sur cette page, vous avez sélectionné votre coût idéal, vous êtes prêt à postuler. Donc soit vous postulez directement chez vous, ou bien vous postulez via UCAS. Donc nous, ce qu'on va faire, on va essayer de choisir UCAS pour postuler là-bas. Voilà, maintenant, pour faire la demande, on a quoi? On a programme du premier cycle, programme du troisième cycle, vous comprenez? Voilà, et ici, après avoir postulé, ils vont vous envoyer un mail. Vous allez voir le mail, vous allez prendre votre décision, soit vous l'acceptez ou pas, ici.
Voilà, vous respectez les conditions de votre offre et vous leur envoyez, vous dites que ok, je veux postuler à cette bourse-là, voilà. Et aussi vous faites une demande de quoi? De logement. Maintenant, pour ceux qui vont avoir simplement une admission, vous payez votre compte, voilà. Vous réservez votre meet and greet, c'est-à-dire votre arrivée là-bas dans leur université. Ils vont aller vous recevoir et vous inscrire à votre cours et vous allez au cours pour le cours de septembre 2022. Donc nous, ce que nous on va faire est très simple. Voilà, on va d'abord essayer de voir pour le premier cycle ici. Voilà, premier cycle. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord choisir un cours et vous allez aller ici. Vous pouvez cliquer là pour voir les cours qui sont disponibles. Vous allez faire quoi maintenant à la suite? Une fois que vous voyez votre cours, vous faites une demande, postulez en ligne à l'aide du système Apply. Vous allez postuler directement sur la plateforme. Le système de candidature est gratuit. Voilà, vous comprenez, c'est hyper gratuit, est gratuit et vous pouvez enregistrer votre candidature avant de la soumettre. Tout au long du processus, vous recevrez le conseil de façon à remplir le formulaire ou bien vous téléchargez votre demande de cours pour le premier cycle et vous allez envoyer aussi, vous allez télécharger ça. Si vous voulez, soit vous appliquez directement en ligne ou bien vous téléchargez aussi la demande en fichier, en format PDF ou bien Word. Lorsque vous allez finir, vous allez remplir ce format-là et vous allez leur envoyer sur leur email. Comprenez l'email de votre faculté. Ok, donc après avoir fini, qu'est-ce que vous allez faire? On est gardé une trace de votre candidature avec le système de candidature Apply. Vous pouvez voir la progression de votre système de candidature. Lors de votre candidature, vous recevez un numéro de référence unique que vous pourrez ensuite utiliser pour recharger un formulaire de candidature enregistré. Une demande non complétée peut être retournée jusqu'à un mois après que vous l'ayez commencé. Donc vous avez un mois, si vous ne touchez pas, si vous commencez et que vous ne touchez pas, vous avez un mois avant que ce système ne ferme. Donc ici, si vous avez postulé en ligne, vous recevez des mises à jour régulières par email sur l'état d'avancement de votre candidature. Par exemple, quand votre candidature est arrivée, quand elle a été soumise à un tuteur d'admission départemental, quand le département a pris une décision, donc ça veut dire que en grosso modo, vous allez recevoir à chaque instant des informations, des mails. Voilà, donc après cela, après le premier cycle aussi, il y a le programme de troisième cycle. Voilà, donc pour ceux qui postulent, pour le programme de troisième cycle, vous voyez un peu, pour faire une demande, par exemple, vous avez besoin, par exemple, d'un formulaire de demande durement rempli, de délai de référence, d'un CV, d'une décision, déclaration personnelle et copie de qualification à ce jour, votre diplôme relevé de notes et puis votre score en anglais si c'est disponible. Vous comprenez, si vous avez par exemple comme ça un certificat en anglais, vous pouvez aussi soumettre. Donc postuler en ligne à l'aide du système de candidature aussi, ça c'est pour ceux du troisième cycle. Voilà, donc c'est un peu ça. Et puis vous aussi lire ce qui est là. Voilà, donc nous, ce qui nous intéresse, on va aller choisir un cours. Donc moi, je considère que je viens pour la licence parce que je vous ai déjà dit que la licence, c'est le plus grand niveau et c'est le niveau qui ouvre les portes à tout. Alors moi, je considère toujours que, et puis c'est ce qui est compliqué sur la plateforme à chaque instant. En ce qui concerne le master et le doctorat, c'est pas hyper complexe que ça. Donc moi, je viens d'abord dans un premier temps choisir la page des cours. Je vais voir les cours qui sont diligentés ou ça pour le premier cycle. Je vais finir, je vais cliquer sur Apply et puis essayer de postuler pour avoir une admission. Et ensuite, une fois que j'ai l'admission, je pourrai postuler à la bourse. Voilà, donc je vais cliquer sur page de cours ici. Voilà, et il y a les cours qui seront dirigés là. Donc je considère que je viens pour la science actuarielle. Voilà, voyez ça, science actuarielle. Maintenant, si vous voulez, quelle que soit la filière que vous voulez faire, vous pouvez choisir ici. Vous voyez, il y a plusieurs filières. Vous pouvez choisir la filière que vous voulez. Si vous voulez faire mathématiques, vous cliquez sur mathématiques. Voilà. Si vous voulez faire mathématiques, vous cliquez sur mathématiques, génie mécanique, vous cliquez sur génie mécanique. Mais vous faites de la même manière que je vais faire en choisissant moi ma filière qui est quoi? Qui est science actuarielle. Moi, je vais choisir science actuarielle. Alors, je vais cliquer sur science actuarielle.
et vous allez voir que il y aura des éléments ici. On dit formation pour adultes et tout ça, moi ça m'intéresse pas. Donc ici actuarial, ici avec ou sans année à l'étranger, avec une année dans l'industrie, sciences actuarielles avec une année de préparatoire, bachelor. Donc ça dépend de vous ce que vous voulez. Avec une année de préparatoire, si vous voulez faire une année de préparatoire, alors vous cliquez sur ce qui est là. Donc je vais cliquer sur ce qui est là avec une année de préparatoire et ça me renvoie ici. Ok, donc si vous suivez bien ici, regardez bien ce qui est là. Ça c'est pour ceux qui sont au Royaume-Uni, ils payent 9000 livres, vous comprenez, et c'est en septembre 2022. Donc ce qui veut dire que si eux ils payent 9000 livres, c'est à dire sans bourse, alors pour l'étudiant international qui est là, ça va être 17 900, c'est à dire le double presque, vous comprenez. Donc 17 900 livres sans bourse, vous comprenez que ça sera vraiment hyper compliqué, et c'est en 4 ans. Voilà, donc pour ceux qui veulent vraiment postuler à cette bourse là, je prie vraiment pour vous, pour que vous ayez au moins une bourse pour pouvoir continuer à y étudier. Voilà, donc une fois que vous arrivez là, vous pouvez lire un peu ce que vous avez besoin pour pouvoir postuler à cette bourse là et puis quelles sont les compétences que vous devez avoir pour pouvoir postuler, et aussi les objectifs à pouvoir atteindre si vraiment vous postulez pour la science actuarielle. Et puis n'oubliez pas ce que je suis en train de vous dire, c'est que la même manière dont je fais, la manière dont je suis en train de vous montrer ici, c'est la même manière partout. Lorsque vous allez choisir une université, suivez seulement les instructions et puis essayez de postuler comme vous pouvez, vous comprenez. Voilà, donc ici, une fois que je suis là pour pouvoir appliquer maintenant, je vais essayer comme ça de venir là. Vous voyez, il y a appliqué ici. Quelle que soit la filière que vous allez choisir, il y aura appliqué là, vous comprenez. Donc vous cliquez sur appliquer, voilà, et vous choisissez soit vous faites avec le système quoi UCAS pour postuler en tant qu'étudiant britannique ou européen, c'est quoi, c'est UCAS. Maintenant pour postuler en tant qu'étudiant international, c'est quoi, c'est appliquer au système d'application, vous comprenez. Donc ici les étudiants internationaux peuvent également postuler via UCAS, mais vous allez cliquer sur aller au système d'application. Donc vous cliquez là et vous allez voir que ça vous renvoie sur le système d'application où vous devez d'abord vous enregistrer sur le site et après maintenant chercher à pouvoir postuler pour une admission dans leur université. Voilà, donc dans un premier temps je vais couper cette vidéo ici et puis je vais faire une vidéo tout à l'heure pour pouvoir aussi vous expliquer un peu comment ça marche en ce qui concerne les autres facultés ou bien en ce qui concerne la suite des événements. Donc vous voyez ici, vous allez commencer à remplir, mais néanmoins pour ne pas que la vidéo fasse assez de temps, je vais m'arrêter là et puis je vais faire une vidéo pour que vous puissiez au moins savoir comment ça se passe. Ok, donc les gars, à tout à l'heure, et surtout essayez de liker ma vidéo, essayez aussi de commenter pour poser vos questions. À tout à l'heure les gars.